Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Serzat 310 pour faire une vidéo incroyable, exceptionnelle de Battlefield 3. Donc je fais un peu cette vidéo à l'arrache, parce que je viens de remarquer que le jeu là je le fais tourner je crois en ultra ou en night, donc en gros en belle résolution graphique, sans trop de lag. Donc si ça lag un peu, tant pis, genre là, si ça lag un peu, désolé, tant pis, mais au moins vous allez voir que le jeu est vraiment beau et magnifique. Je me presse aussi un peu pour parler tout ça parce qu'en fait, je vais pas vous. Ah non, je sais pas, en fait, je vais vous parler un peu de cette bêta. C'est une bêta, non pas une démo ou quoi, c'est une bêta. Ça veut dire qu'elle peut dater d'il y a 6 mois, 4 mois, 5 mois, on sait absolument pas. Ok, je me suis fait one shot. Ouais, il faut vraiment que je joue calme, là, il faut que je joue bien, parce que là, j'ai été me suicider. En gros, je vous explique un peu, cette bêta, pardon, est gratuite pour tous, donc maintenant, vous pouvez y jouer si vous voulez. Et il faut que je joue sniper, regardez, il me manque un tout petit peu, là, pour up mon sniper, donc j'ai joué un petit peu sniper, et dit que hop, là, je change automatiquement de classe. Alors, dans cette bêta, on a le droit à une seule map, qui est celle-ci. Je vais essayer de me foutre ici. Il a fait le tour, le canard. Il a fait le tour. Donc je vais pas présenter. Ouh là là, le lag. Je vais pas présenter cette vidéo comme je l'ai fait d'habitude. Ici, c'est vraiment une vidéo à l'arrache, hein. Je vous le dis tout de suite. Ça laguait pas autant tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. Alors, on a voilà une seule carte, comme je vous l'ai dit, qui est celle-ci. Elle se divise en trois morceaux distincts. Donc la première fois, on commence dans un parc comme ça. On va rentrer dans des tunnels. On va voilà. On va rentrer dans les tunnels et puis on va ressortir de l'autre côté du tunnel sur une carte où il y a plein de bâtiments assez ouverts. Et donc, voilà. Je me fais plomber. Alors j'aimerais bien voir il est où ce campeur. Parce que je me fais plomber sur le côté, je vois personne. Ah d'accord. Alors ça aussi c'est un gros bug du jeu. Regardez le mec. Voilà, un bug en direct. Alors, soit le mec il a réussi à rentrer dans le sol, parce que j'ai déjà vu que ça m'est déjà arrivé en fait ce bug là. Je suis rentré dans le sol, les ennemis me voyaient pas, j'en ai tué 2-3 avant quand même de me faire buter. Là j'espère quand même que ce mec là il va pas servir trop de ce bug là, parce que c'est vraiment cheaté. Bug qu'il n'y aura sûrement plus lors de la sortie du jeu officiel, hein, bien sûr. Encore une fois, on le dit, je le redis, c'est une bêta. Je vais vous expliquer d'abord c'est quoi une bêta. Alors, une bêta, c'est une version du jeu absolument pas finie. On sait pas de quand elle date, ils l'ont pas dit. Alors, cette bêta, elle peut dater d'il y a 4 mois, de 6 mois, voilà, comme je vous l'ai dit, on sait pas trop de quand ça date. Parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, c'est buggé à mort, c'est pas possible, le jeu il sort dans, on va dire, un mois, je sais pas exactement quand il sort, enfin, j'ai pas regardé. Et c'est vrai que c'est un peu. C'est. Légèrement galère. C'est vrai que c'est un peu le bordel, il y a vraiment pas mal de bugs. Moi j'en ai pas constaté énormément, à part le mec, ouais, peut-être qui vole un peu là. Bah, je tire vraiment n'importe comment. Faut savoir que je suis en train de filmer avec Fraps aussi. Le jeu en qualité height, pardon, c'est pas ultra, c'est height. Mais bon, même en qualité height avec Fraps allumé, en sachant que cette vidéo je vais vous la poster en 1080p, donc là on est le premier. Mais enfin ouais, on est le premier, donc soit vous allez recevoir la vidéo au soir, soit demain très tôt dans la journée. Mais je crois que je vais quand même vous la faire pour ce soir. Il y a un mec ici, je sais pas où. Je vais essayer de vous la poster, hein. Je vais vraiment essayer de vous la poster. Ah, un bug. C'était le mec qui buguait de tout à l'heure, que j'ai réussi à défoncer. Faut savoir que d'habitude au sniper je campe un peu, enfin comme tous les snipers du monde je crois, enfin je l'espère. Je rush pas du tout au sniper. Mais là je vais là je le fais un peu. Parce que voilà quoi. En gros, est-ce que je vous ai expliqué c'était quoi une bêta ou. C'est bon, je l'ai quand même tué. Alors je vous avais pas expliqué ce qu'était une bêta. J'ai pas eu le. Je me suis coupé je crois. Alors là, j'ai mis la bombe. Ah voilà, je suis mort comme une merde.
En gros, voilà, la bêta, si elle est buggée, tout ça, vous inquiétez pas. Dans le jeu final, il n'y aura absolument pas ça du tout. Et donc, voilà, quoi. En gros, c'était ça le truc que je voulais dire. Le problème, c'est que j'arrête pas de me couper. Je suis en pleine action. C'est le bordel total. Et donc, voilà. Donc, il y a 4 classes comme Bad Company 2. Mais je vais pas m'attarder à vous expliquer ce qu'il y a dans le contenu du jeu, tout ça. Parce qu'encore une fois, c'est une bêta. Tout ce qu'il y a ici, bah, ça sera peut-être pas. Bon, si, ça sera bien sûr ça qu'il y aura dans la version finale. Mais ça sera pas exactement comme ça. Et donc voilà. Il faut savoir. Attendez, je vais essayer de le tuer. Voilà. On a deux. On a les attaquants et les défenseurs. Je trouve personnellement que les défenseurs ont plus de chances de gagner que les attaquants. C'est-à-dire que nous, en fait, on doit mettre la bombe en A et en B. On doit mettre la bombe en A et en B. Attendez. Où il est? Il s'est barré, je crois que je peux courir, voilà. En gros, on doit foutre la bombe en A et en B. Faut savoir que c'est aussi un jeu d'équipe, Battlefield 3. C'est vraiment un jeu d'équipe, on doit vraiment travailler en équipe. Regardez-moi un peu les animations. Regardez quand il va passer le mur. L'animation est super jolie, franchement. On doit mettre la bombe. Le problème, c'est que... Voilà. Le problème, c'est que là, on fait plus de kills que mettre la bombe au final. Oh, la merde. Et c'est... Voilà, je suis mort. Et c'est pas bon du tout. En fait, on doit vraiment mettre la bombe en A et en B. J'ai été réanimé par un connard et je me suis fait retuer après. Donc ça, je déteste ça. Il y a les médecins, ils vous réaniment quand c'est vraiment en pleine fight, juste pour se faire des points, eux. Mais limite, ils s'en foutent, quoi. Enfin, voilà, ils s'en foutent que moi, je recrève la seconde après. Donc ça sert vraiment à rien de réanimer les gens comme ça. Je dis ça pour tous les médecins qui le font ou qui comptent le faire, hein. Et réanimez pas un pote quand il est à 2 mètres de l'ennemi, ça sert à rien, quoi. Vous faites des points, mais lui, il va crever comme une merde. Oh putain. Vous voyez qu'il y a plein plein de campeurs. Alors, par contre, une chose qu'on m'a déjà dit et que je vais quand même dire, les gens disent, regardez, il m'a encore réanimé ce connard, quoi, c'est pas possible. Comment on fait pour changer d'arme là? Au final, il a peut-être pas si mal fait que ça. Voilà. Une chose que, regardez en bas à gauche de mon écran, j'espère qu'il me réanime pas. S'il vous plaît, me réanime pas, j'ai envie de parler tranquillement sans qu'il me réanime. Réanime-moi pas. Voilà, super, il m'a pas réanimé. En gros, je vais vous montrer après en bas à gauche de l'écran, il y a une mini-carte, enfin une espèce de mini-carte. Écran noir, voilà, une mini-carte avec marqué 9, attaquant 9. Ça veut dire que si nous on meurt encore 9 fois, on perd automatiquement. En fait, les attaquants, c'est-à-dire nous, on doit mettre la bombe en A et en B, et au fur et à mesure qu'on va savoir mettre les bombes, ça va péter et on va accéder à une autre zone et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'on accède à une autre zone, on récupère nos 100 attaquants, pardon. Donc voilà, ça c'est vraiment super bien fait. Une chose que si bien fait, c'est de la façon quand il marche par terre, quand il rampe là, c'est avec le son, c'est juste énorme. Je sais même pas si moi on m'entend bien au final. Regardez, le mec on le voit même pas. Regardez, on n'a pas vu sa tête quoi. On voyait... Ouais, là on a perdu, voilà, ça c'est fait. Je sais pas si ça va couper entre temps, parce que ça va changer de map entre guillemets, mais ça va être toujours cette map là. Mais ça va, je sais pas, l'écran va se rapetissir, s'agrandir, j'en ai aucune idée. 5-7, ouais, j'ai un ratio vraiment merdique. Il faut savoir que je filme aussi avec frappe, donc c'est ça aussi ça. C'est pas que ça lag, c'est pas que ça rame, je sais pas, c'est pas super super fin visuellement, donc forcément c'est pas super super fluide. Mais en vrai, je fais quand même un petit peu plus de kills. Mais j'en fais pas non plus 100 en plus, quoi. Je suis pas non plus une bête, je vais pas me vanter, c'est pas vrai. Je joue normalement, quoi, comme une personne normale. Et donc voilà. Il faut savoir qu'à chaque fois les rôles se changent. Donc là on était attaquant, je vais passer défenseur. Donc en sachant que les attaquants ce sont les Américains. Enfin, je sais pas si c'est les Américains ou Russes, j'en sais absolument rien. On va dire que les attaquants, on dirait les Américains, et les défenseurs, on dirait des terroristes. Enfin, ils ont des AK-47, tout ça, ils me font penser bah, des terroristes. Je sais pas c'est quoi, mais voilà, c'est des terroristes. Alors ici, on voit nos stats, nos trucs. Bah, pour l'instant, on s'en fout un peu. Dans 0 secondes, ça va se lancer. Donc là, est-ce que ça se coupe? Est-ce que ça se coupe pas? J'en ai aucune idée. Apparemment, ça a l'air de toujours filmer. Est-ce que ça filme toujours? J'en ai aucune idée. Parce qu'en fait, quand ça change de map, le jeu se met en mode fenêtré puis il se remet en plein écran. Je sais pas pourquoi, mais ça le fait quand même. Ouais, on n'a qu'à dire que c'est normal. En gros, je vais aller dans customisation. Je vous expliquerai pas ça maintenant. Ça, je le fais vraiment pour moi. Je vous l'expliquerai quand le jeu sortira définitivement, car je l'ai précommandé. Donc voilà, je vous expliquerai vraiment comment tout ça fonctionne, les accessoires, comment on les met, tout ça. Pour l'instant, je vais pas vous l'expliquer.
Alors, une chose qui est bien aussi, là j'ai pris... Oh merde! Une arme d'assaut. Donc là vous pouvez voir que si je me mets tout près, regardez, voilà, il sort les espèces de branches comme ça sur le côté, on peut zoomer. Et c'est super, super bien fait. Là je vois un mec à l'autre bout de la map, je l'ai touché. Donc là ça lagouille un peu. Et donc voilà. J'ai réussi à l'avoir, j'ai réussi à l'avoir, j'ai tiré un peu à l'arrache, mais j'ai réussi à l'avoir. Énorme, franchement énorme. Donc ce que je voulais vous montrer, je sais pas si on l'a bien vu. Regardez là, je suis normal. Si je me mets près d'une surface, voilà, il va sortir les trucs pour vraiment avoir une stabilité énorme. Ou alors si je me mets par terre comme ça, en rampant, je peux aussi faire ça. Je trouve ça énorme, c'est vraiment un truc. Ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils l'ont fait. Ce qui fait que ça rend vraiment le tout énorme. Donc, je vais vous expliquer ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous voyez en bas à gauche, tout à l'heure il y avait marqué attaquant, donc c'était nous. Et on devait tuer 100 personnes. Maintenant en attaquant, il y a marqué 87. Donc en gros, il faut les tuer. Si on arrive à 87 prochains sans qu'ils fassent péter les deux zones, eh bien on pourra arriver, on gagnera en fait simplement. Voilà. Faut savoir que là, je suis, voilà, moi je donne des munitions. Donc toi, oh merde, je suis mort. Donc oui, des fois il y a des petits bugs comme ça. On meurt, on se retourne. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Quand on meurt, vous voyez, oh, regardez le bug là, il est rentré dans le sol. Donc c'est le genre de bug là que je voulais vous dire. Pour l'instant, il y a des bugs. Voilà, c'est une bêta. Encore une fois, je le dis, je le redis. Faut pas se dire ah ça y est, le jeu il est moche et tout. C'est une bêta. Alors là, j'ai une arme d'assaut. On croit que c'est un sniper, mais non, en fait, c'est un AK-47 avec le viseur. Je trouve ça moche. Franchement, je vous le dis, je préfère 10 fois plus les armes marines, donc tout ce qui est M4, M16, tout ça, que les armes des terroristes. C'est vraiment super moche. D'ailleurs, après, je vais retirer le viseur. J'aime pas. Franchement, le viseur, je le trouve vraiment moche. J'essaie de rusher un petit peu. Voilà. Alors, quand on appuie sur un, bon, on a notre AK-47, désolé quand ça rame un peu. On a notre petit pistolet quand on appuie sur 2. Quand on appuie sur 3, on a hop, un truc de soin, car là je me suis mis en médic. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je sais pas si ça a lagué. J'ai appuyé sur des touches, en fait ça m'a fait un raccourci Windows, je sais pas trop quoi, ça m'a tout fermé. Franchement, c'est une vidéo faite à l'arrache, mais je vous le dis, cette vidéo sera aussi buggée que la bêta en elle-même, quoi. Alors, là j'ai vu un mec. Soit il est mort, ouais il est mort, son corps est ici. Donc voilà, si ça rame, si ça lag et tout, je vous dis encore, c'est normal. Bon, c'est pas super normal, mais... Tout à l'heure j'étais à 30 FPS, c'était fluide. Voilà, là. Je me fais plomber, je sais pas d'où. J'aimerais bien que ça cesse d'ailleurs. C'est bon, ils ont réussi à désarmer le truc. Là, ça devient juste injouable. Alors, je coupe la vidéo, je continue, qu'est-ce que je fais? Ah. Faut savoir aussi que des fois, ça m'est déjà arrivé de ramer, mais comme pas possible, mais c'était pas tout le temps dû avec frappe. Hein. Des fois, c'est vraiment à cause du jeu, parce que des fois, on se mange des coups de rame exceptionnels, on sait pas pourquoi. Et en fait, c'est juste parce que ça bug un peu et que c'est une bêta. Donc, par contre, une chose que je tenais. Je tenais à vous dire. Voilà, je vais me faire buter, voilà, sur le côté. Super, franchement. Pff, nickel. Regardez, reste bien allongé quand tu fais ton frag, toi surtout. Psst, honteux. Bref. Cette vidéo va sûrement pas marcher parce que franchement ça lag. Enfin, j'ai l'impression que ça lag, mais c'est même plus qu'une impression. Hein. Vous aurez dû le voir. C'est pas super fluide. Je sais pas ce que j'ai comme souci actuellement. Là, je suis à 30 FPS. Là, c'est nickel, mais des fois j'ai des chutes d'FPS. Je sais pas pourquoi. Faut savoir que cette vidéo va prendre. Ah voilà, j'ai réussi à en tuer un, mais l'autre il campait, et forcément, voilà. Une chose qui a été rajoutée par rapport à Battlefield Bad Company 2, que je trouve tout simplement énorme, c'est que les snipers. Il faut savoir qu'un sniper, rarement ça rush, donc rusher ça veut dire courir dans le tas, non, ça, la plupart du temps ça campe comme c'est pas permis. Et ici, il y en a énormément de snipers qui font ça, et ils ont fait un petit truc pour nous bien sympa, c'est-à-dire qu'ils ont... les snipers, quand ils vous visent, il y a le reflet sur leurs lunettes en fait de sniper. Ce qui fait qu'en fait... Attendez, je suis un peu concentré.
J'aurais dû aller désamorcer. Mais ça rame trop, ça rame trop. Voilà. En gros, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, j'ai été tué. Enfin, faut savoir que là, pour moi, c'est injouable. Franchement, c'est vraiment injouable. Ça rame beaucoup trop. J'ai normalement, sans frappe, je tourne à 60 FPS. Donc, j'ai quand même, j'ai acheté une nouvelle carte graphique. Donc, j'ai plus la carte graphique d'avant. Donc, j'ai vraiment une bonne config maintenant. Mais là, avec frappes allumées et tout, plus le jeu des fois qui rame monstrueusement, on sait pas pourquoi. Donc, des fois, on a des coups de rame mais énormes pour rien. Et après ça passe, hein. Donc là vous voyez je suis à 30 fps, c'est juste super fluide, donc voilà quoi. On sait pas pourquoi, mais des fois ça le fait. Alors là vous voyez, ils ont réussi à faire péter les deux zones A et B. Alors là ça, voilà, là ça commence à re-ramer, on sait pas pourquoi. Ils ont réussi à faire péter A et B, et maintenant on se retrouve dans le métro. Dans le métro de Paris, car la map c'est Paris, hein. Je sais pas si je vous l'avais dit. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc voilà quoi, c'est ainsi de suite. Là si on arrive à les tuer les 100, on gagne. C'est toujours la même façon en fait. Et si on n'arrive pas, bah ça continue, il y a encore deux trucs à exploser. Donc c'est vraiment super sympa et c'est vraiment bien. Donc ce que je disais tout à l'heure en disant que les défendeurs avaient plus de chances de gagner, c'est à moitié erroné parce que vous voyez qu'on se fait bien péter la gueule. Donc voilà quoi. En appuyant sur A, on peut toujours marquer l'ennemi. Là je me suis fait du bonus. Des bonus, pardon. Je suis en train de regarder, je vois personne. Alors, toi, tu as besoin de vie. Même si tu n'en as pas besoin, je t'en donne quand même en espérant que t'en perdes un peu et que je me fasse un peu de points. Ah, je suis mort, c'est pas grave. Je suis vraiment désolé de pas trop vous parler du jeu, je parle pas trop d'ailleurs tout simplement. C'est vraiment galère. Essayer de tuer des gens. Faut savoir que d'habitude je fais plus de frags, hein. Je vous promets, je peux vous montrer ma page. Oui, car d'ailleurs aussi une chose exceptionnelle, enfin exceptionnelle, nouvelle on va dire. Si vous voulez jouer à la bêta, vous devez télécharger Origin. Une fois que vous avez téléchargé Origin, vous pouvez installer le jeu gratuitement. Enfin la bêta, pardon. Tout ça c'est gratuit. Mais après... une fois que bah, c'est fait, il vous faut aller sur le site internet. Donc vous devez vous connecter au site internet, c'est Battlefield, je sais pas trop quoi. De toute façon tout est indiqué, hein. Je vais pas vous l'expliquer mais tout est indiqué, vous avez qu'à suivre les étapes. Vous allez vous mettre sur le site, vous inscrire, vous connecter. Et en fait vous allez chercher les serveurs sur le site, enfin tout se passe sur le site, donc rien ne se passe sur le jeu. Et c'est grâce au site, vous cliquez sur Quick Match ou démarrer la partie, je sais pas, c'est en anglais quoi, mais c'est ça que ça veut dire. Bah c'est démarrer la partie tout seul. Et tout se fait automatiquement. Quoi. Là, il y a un mec là-bas qui campe. Non, c'est bon. On va avancer un peu. Ah, super. Vive, vive la rame. Mais je crois que là, même si j'aurais pas ramé, j'aurais pas pu le tuer. Il avait l'avantage de moi. Il visait déjà. Putain, ils sont déjà trois, quoi. Oh. C'est galère. Là, on est à 8 minutes. Je crois que je vais un peu continuer quand même. Regardez encore un bug. Je vais continuer jusqu'à quand on perd ou on gagne. Parce que maintenant, je peux dépasser les 20 minutes. Parce que j'ai changé mes disques durs. Enfin, bref, on s'en fout. Mais. Voilà quoi, je vais vous montrer un peu l'entièreté du truc. J'espère seulement qu'on va gagner. On va réussir à les compter en sachant que je fais un score. J'ai même pas envie de le voir. 4-6. Bon, ça va, c'est encore potable. Donc voilà, tout se passe grâce au site. Sur le site, en plus, vous pouvez voir vos statistiques. Donc ce que vous avez fait. Si vous avez tué beaucoup de personnes, si vous êtes mort beaucoup de fois, si vous avez gagné beaucoup de parties, si vous en avez perdu beaucoup. Enfin tout, on peut vraiment voir plein de choses sur le site de Battlefield. C'est vraiment énorme, c'est vraiment énorme. Ils ont vraiment joué là-dessus et je trouve ça super bien. On a vraiment plein d'informations. Il m'a eu comment cet enfoiré? Attends, je suis pas fou, je lui ai tiré dessus quand même. Il a 100% de sa vie, on est bien d'accord. Oh, ça me saoule. Bref, j'étais quasiment... Enfin non, je suis sûr à 100% de l'avoir touché, il y a eu les hit markers comme il y a dans Call of Duty. Donc quand vous touchez l'ennemi, il y a 4 petits carrés autour de lui comme des petites barres comme ça. Et ça vous dit simplement que vous l'avez touché quoi. Et je suis sûr et certain qu'il y avait ce truc là quoi. Une chose pas mal cheatée et qui... Oh merde. Et qui nous aide aussi, c'est ce que j'ai tout à l'heure sur les snipers. Vas-y, désamorce-toi, désamorce-toi, désamorce-toi. Ah! Ça y est!
J'ai désamorcé la bombe. Grâce à moi, on n'a pas perdu le point A. Alors le point B, j'en sais absolument pas s'il a pété ou pas. En tout cas, moi, le point A, j'ai fait mon job. Ils sont dans notre dos là. J'ai pas rêvé. Ah, voilà, c'est ça qui est super cheaté et que j'aimerais bien qu'il règle ou qu'il diminue. C'était un sniper avec la lampe. La lampe, je sais pas à quel moment du jeu on la débloque, mais vous avez vu, c'est quoi ce bordel? On est ébloui totalement, on voit absolument rien du tout. C'est juste énorme, quoi. Enfin, c'est juste cheaté, ouais. Il y a plein de mecs qui prennent cette foutue lampe. Cette lampe qui me dégoûte plus que tout. On voit absolument rien. Ah, j'ai pris l'arme d'un ennemi. J'aime cette arme en plus. Oh, mais combien de vie il avait? Allez, je crois qu'il avait, il avait plus beaucoup d'HP quoi. Bon, donc déjà, c'est pas lui que j'ai tiré dessus puisqu'il avait jamais 77% de vie. C'est impossible. Mais je crois qu'ils ont fait péter les deux trucs et on a encore perdu notre point de, les points de contrôle. Voilà, on a encore perdu les points de contrôle. Donc vous voyez que l'ennemi progresse. Là, il faut encore en tuer 100 parce qu'à chaque fois qu'ils arrivent à faire péter les deux bombes, ça remonte automatiquement à 100. Là, on voit qu'ils en ont plus que 98, donc on a déjà tué 2. Bon, quand je dis 90, tout ça, pour les Français, c'est 90. Hein, mais bon, vu que je suis pas français, je vais pas vous faire la comparaison tout le temps. Alors, maintenant, ils vont arriver de par là. Il n'y a plus qu'à les attendre, en fait. Hein. Le rôle des Defenders, voilà, c'est justement de camper un peu. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Oui, je me fais plein de kill assist, mais je me fais pas de... Je tue personne, en fait. Je fais plein d'assist. Alors, notre rôle, là, voilà, c'est vraiment de défendre. Alors là, j'en ai tué aussi au petit flingue. J'ai vraiment fait une belle action. Voilà. Alors là, je suis un peu concentré. Je parle pas trop. Voilà, j'ai réussi à en tuer un. Alors vraiment désolé, mais en fait, cette vidéo, c'est vraiment une vidéo... C'est vraiment une vidéo un peu bordélique, c'est vraiment merde. Ah voilà, un peu de vie, pour ceux qui en veulent. C'est vraiment une vidéo pour vous montrer... Oh là, j'avais jamais vu ce bug là. Attendez. Hein. Désamorcer, j'espère qu'ils vont pas me tuer, 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 ils m'ont pas tué. Alors là, franchement, ils peuvent me dire merci. Hein. Ils peuvent vraiment me dire merci, ça fait vraiment deux fois que je les sauve. Ah! Je suis mort et encore une fois, c'est un mec avec une lampe mais totalement affreuse. Franchement, s'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, mais dites-le moi directement quoi. Mais là, il y a un souci. La lampe, elle est juste overcheatée, on voit absolument rien, quoi. À partir du moment où tu l'as dans la gueule, le truc là, mais t'es archi mort, quoi. Enfin, moi, personnellement, déjà, je suis mort pas mal de fois avec ce truc là, donc voilà, ça met un peu la haine. Et franchement, vraiment, sans être un rageux, il faudrait vraiment qu'il le retire, quoi. C'est juste super cheaté, tu vois vraiment que dalle, hein. C'est pas un fake, c'est véridique, quoi. Regardez, encore une fois. Voilà. Je tire au jugé quoi, je tire vraiment au jugé. Je tire en espérant toucher. Le mec je le vois pas quoi, cette lampe elle est juste cheatée. J'aimerais bien au moins qu'il nerf, je sais pas, la brillance ou quoi. Donc nerfer pour ceux qui savent pas c'est diminuer. Diminuer la... je sais pas moi la... Voilà, là je respawn. Je me fais tuer par un campeur. Le mec il bouge pas, il a son snipe, il a trouvé le point de spawn, il campe. Ça aussi, j'aimerais bien qu'il change. C'est un truc que je me suis toujours dit, ça serait bien que par exemple, quand on revient à la vie, pendant on va dire une ou deux secondes, on est invincible, invulnérable. C'est pour éviter tous ces campeurs qui nous campent au spawn. Au spawn, pardon. Et ça serait vraiment super sympa. Mais bon, je crois qu'ils le feront jamais, mais c'est vrai que ça aurait pu être une bonne idée, je trouve.
Alors, je suis soigneur, donc j'aime mettre de la vie. Voilà. Vous voyez, quand vous perdez de la vie, vous voyez un peu tout en flou. Il est où ce campeur? Voilà. Regardez, il m'a campé là-bas tout à l'heure. Je lui ai tiré dessus, il était au même endroit. C'est-à-dire qu'il a absolument pas bougé d'un seul millimètre depuis tout à l'heure. Alors là, là je pourrais pas y aller, je crois. Je crois qu'ils vont faire péter la bombe. Je crois qu'ils l'ont fait péter. Ah, ils l'ont fait péter. Donc on a perdu, mais je crois qu'on va perdre un peu, mais... Enfin, on va pas perdre un peu, on va perdre... entièrement. Je sais même pas si on m'entend tellement ça pète de tous les côtés. Ah, je suis mort. Alléluia. Pardon. Donc là on est à 26 minutes de vidéo, donc on est à beaucoup plus que d'habitude. Je crois que je vais quand même couper, parce que si ça dure plus longtemps, on va arriver dans les 30-40 minutes. Et bon, déjà on va perdre, c'est presque sûr, quoi qu'on sait jamais, hein. Là on peut vraiment les contenir. Donc au moins là je vous aurais montré la troisième zone, donc c'est la zone ouverte. On est à Paris, j'ai jamais été vraiment en France, enfin je suis passé en voiture vite fait, hein. J'ai vu la tour Eiffel, youpi. Mais voilà, ça apparemment on est à Paris, donc ça c'est sûrement un quartier de Paris, je sais pas si les Français vont reconnaître. C'est peut-être un bâtiment important ce truc là, je sais absolument pas du tout c'est où à Paris. Voilà. Donc apparemment c'est une map qui se passe dans Paris en France. Donc tous les Français sont super excités. Mais je sais pas plus que ça quoi, je sais pas si c'est un quartier connu, enfin je suppose, hein. Ils ont promis un quartier où il n'y a personne. Donc voilà. Merde. Ah, je suis mort. Donc vous voyez que j'ai quand même tiré, je l'ai quand même touché. Combien de vie il a? 66. Donc voilà, je vais pas toucher énormément. J'ai combien de score là? Ah, mais je suis deuxième. 17-14 quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Sachant que j'ai désamorcé deux fois la bombe et que c'est quasiment deux fois grâce à moi qu'on a gagné, parce que la dernière fois, qu'on a réussi à diffuser la bombe, pardon, car on a absolument pas gagné. Mais oh là. Il y a vraiment une touche des fois qui bug. Pour moi, c'est la touche W. Qui sait en fait à se mettre allongé comme ça, qui bug un peu des fois, mais franchement c'est super bien fait. Le fait aussi quand il enjambe les murs, mais là ça a bugué, voilà, bug. Quand il enjambe les murs, c'est super bien fait, on voit ses jambes qui passent au-dessus de la balustrade et tout, c'est super super bien fait. Ce jeu, je vais pas donner une note parce que elle est trop buggée cette bêta pour donner une vraie note, mais même s'il aurait pas été buggé, j'aurais pas donné de note. Mais si un jour je vais lui donner une note, elle va tourner, on va dire solo plus multi, autour des... Donc voilà, ça aussi c'est un bug que j'aime pas, parce que regardez, je suis derrière un mur, le mec il arrive quand même à me tuer quoi, non, je suis assez... Par un campeur! Applaudissements! Toi t'es vraiment doué toi, t'iras loin dans la vie. Tu viens pas de Call of Duty par hasard, non? Donc, je disais, si j'aurais donné une note pour le... Pour le solo et le multi, je donnerai sûrement une note avoisinant les 18-19 sur 20. Car, voilà, encore un campeur. Je suis quasiment sûr que c'est un campeur. J'ai même pas envie de voir, je suis sûr que c'est un campeur. Voilà, le mec il bouge pas, t'as pas de skill, mon vieux, tu sers à rien. 17-17. Oui, franchement, c'est super joli. Regardez le casque, le visage et tout, les cagoules, c'est super bien fait. J'espère me faire réapparaître ici. Merde, j'ai essayé de rentrer à l'intérieur sans me faire buter par un campeur, de préférence. Voilà, super. Je risque pas rien ici, mais voilà, je viens ici vraiment pour vous parler les quelques secondes qui restent, car j'ai coupé ici. On a sûrement perdu, hein, ça c'est quasiment sûr à 100%, mais donc voilà. Ah! Ah ben voilà, on a perdu. Ils ont réussi à faire péter les deux bombes. Donc j'ai encore plein de choses à vous dire, mais j'ai sûrement pas le temps. Donc je vais vous dire vraiment au revoir et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Commentez là, mettez des bonnes notes, des mauvaises notes,
Enfin, mettez vraiment tout ce que vous pensez. De toute façon, je posterai sûrement cette vidéo. Je donnerai le lien sur des sites connus, genre jeuxvideo.com et tout. Et j'espère vraiment qu'elle sera commentée. Alors voilà, c'est vraiment un très très bon jeu. J'ai encore 30 secondes là avant que ça quitte. Donc voilà, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment d'acheter ce jeu. Moi, je l'ai précommandé, donc dès qu'il sort, bam, je l'ai direct. J'ai la clé CD, tout ça, c'est vraiment excellent. Je joue sur PC, je tiens à le rappeler, pour ceux qui ne le savent toujours pas. Et donc voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. De toute façon, je parlerai plus quand le jeu sortira. J'en ferai une autre vidéo sur le solo et sur le multi. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao!